Tu as dit non, 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 c'est pas pour moi. Alors je monte pour te parler. Arrête de dire c'est pas pour toi. Si Dieu t'a montré cela, il veut toucher dans ton travail. Pas simplement dans ton travail. Il veut t'emmener à représenter ton travail. Et devant les gens qu'il va placer devant toi, c'est pour les toucher. Parce que très souvent quand on est béni, on oublie Dieu. Beaucoup de gens ici, dans ce lieu, dans cette église, ont reçu des paroles de connaissance, des grandes paroles pour leur prophétie. Bon, mais ils ont oublié. Qu'est-ce qui montre qu'ils ont oublié? Parce que si on oublie l'instrument que Dieu a utilisé, ça montre tout simplement l'oublier. Parce que l'instrument est appelé à prier. Le berger est emmené à prier pour l'église, à recevoir et à prier, à sceller cela. Alors toi qui as reçu, tu te dis, ah non, 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 cette visée, elle n'est pas pour moi. Et tu fais l'humilité, tu as parlé à quelqu'un. Mais viens parler à Dieu, approche-toi. Alléluia. Tu as appelé à gérer. Dieu t'a donné une grande responsabilité. C'est toi, ne dis pas plus jamais. Et ne dis plus jamais. C'est toi.